sur PlayStation, Thierry. Sur PlayStation, Thierry, sans déconner. Si tu sais pas ça, tu sais rien. Allez, mon petit Thierry. Sur PlayStation, évidemment. Ok, allez, on enchaîne. Ah bah oui. Ah bah évidemment. Attends, on va fouiller par là. Ouais, je t'enchaîne. Yo Jim Carrey, comment vas-tu? C'est bon, t'es mort? Il faut que, les mecs me filent des vies. J'ai besoin de vie. Ok. Ah. C'est de l'énergie, c'est bien aussi. Mais c'est... Va falloir faire avec. Même si on peut buter les rats, ça file des trucs de buter les rats. Il est là. Yes. Sans patate. Pour tout ce fun que tu nous procures et tous ces moments de joie et de rire, continue comme ça, tu es un très bon streamer, que le bigorneau soit avec toi. Un grand merci à toi, Blazer. Moult bigorneau pour toi, merci beaucoup pour ce soutien, les gars. Moult kiss. Moult kiss, ouais, c'est clair, c'est quoi ce train là? Le train des dons. Oh, je me suis fait tellement ouvrir. Putain, le feu c'est violent. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille quoi. Tous les oiseaux volent dans le ciel, n'oubliez jamais. Donne-moi une vie, donnez-moi une vie. Mais un grand merci. Je sais pas si je le mérite ou quoi, mais en tout cas un grand merci. Oh putain, mais je vais perdre. Allez. Il y a ton nom, prénom. Ouais, je l'ai changé ça. Je l'ai changé. C'est Mangor qui m'a dit que ce serait quand même pas mal de le changer. Quoi. S'il me dit là, c'est cool. Parce que lui, d'un coup, en fait, sa chaîne elle a explosé. Le Mangor, c'est celui qui fait des roleplays sur GTA V. Il m'a dit, ouais, moi d'un coup, ma chaîne elle a explosé. Il me dit là, c'est cool. T'as une communauté qui est quand même plutôt mature, intelligente. Ça va, mais tu vas arriver un jour où il va y avoir plein de monde, donc des gens qui sont pas forcément recommandables, et tu vas voir qu'ils vont te faire des trucs dégueulasses. I'm good. Et merci Choupi pour le host. Des bisous Choupi. Oh, je l'ai buté. Oh, c'est cool. Tu m'as dit, ouais, vire ton nom tant que là ça va, parce qu'après, voilà, dès que tu tombes sur des cons, ils vont te faire des faux dons, ils vont te faire des trucs pourris. Et il y a moyen de te faire chier quoi. Oui. Non mais mature intelligence, ça veut pas dire non plus qu'on est complètement sauvé les copains, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Merci Blazer. Yo Choupi, comment vas-tu? Merci pour le host. Bienvenue à toi, bienvenue à tes viewers. Des bisous. Bienvenue sur ce marathon complètement inutile. Et donc essentiel. Essentiel pour la santé bucco-dentaire. Le chat confirme, il a fait un petit miaou de confirmation. Il a fait miaou. Bon, je sais pas le faire, mais lui, il le fait tellement bien. Il est tellement mignon quand il miaule, ce chat, ça devrait être interdit. On devrait interdire les chats, surtout les plus mignons. Les petits rouquins, tout ça, là, non. Elle meurt. D'ailleurs, on m'a dit que t'étais sur Shadow Force. Bon jeu. Bon jeu. Décède. Il me faut de la vie. Il me faut de la vie. Pourquoi mes excuses? Comment ça mes excuses?
Voilà. J'ai fait mon rage quit. C'est interdit ça. C'est interdit, moi j'ai pas le droit de rage quit, tu vois par exemple. Moi je n'ai pas le droit de rage quit. Ah putain, j'ai plus de vie. Ah putain, ça sent le retry. Ça sent le retry. Je vais recommencer, c'est sûr. Voilà, c'est ici qu'il faut que je fasse gaffe. Il y a rien là. Ok, c'est bon. Désolé, hein, je me concentre là, ce serait quand même complètement con. Fais chier. Fais chier, bordel. Ah, je suis malheureux là. Je suis très malheureux. Ça va passer, ça va passer. Ça va passer. Ça passe toujours. Je m'inquiète pas. Je serai plus concentré dimanche. Ouais, ouais, des fois il vaut mieux. Allez vite là, je te tiens, allez dans le cul. Je viens fouiller dans ton cul avec mon épée. Juste pour voir s'il n'y a pas un truc. On sait jamais. J'ai récupéré la maximum de soins. Voilà, il y en a là, j'en suis sûr. Et après, je vais essayer d'avancer au max. 3 fois croix carré. Oh, je vais rester sur mon combo qui est quand même bien pété. Et va chier. Fuck you, Gamu. Tu n'auras pas ma liberté de penser. Tu n'auras pas ma santé mentale. Oh non. Oh le con! Il me touche lui. Les dragons, je ne sais pas ce que c'est là, c'est de la merde. Donnez-moi des vies. Donnez-moi des vies, bordel. Je vais le laisser venir ici. Je vais le combattre là. Ouais, j'enchaîne. Dans ton cul. Mario Kart 8 obtenu. Après, si tu l'as jamais fait sur Wii U, c'est vrai que c'est intéressant. Si t'as une Wii U, franchement, reste sur Wii U. Ok, impeccable. Ton année sur... Ah ouais, sur DS, t'as même pas fait celui qui était sur 3DS. Ah, moi j'adore les Mario Kart. C'est vrai que dès qu'il y en a un, je me démerde pour y jouer. Oh yes, il a cramé comme un golemon lui. Parfait. Parfait, parfait, non? Cette maniabilité à la pisse, quoi. Vraiment. C'est dommage, hein, le jeu est cool. Mais ça pêche, quoi. Jeu PS1, bon voilà, ça pêche.
T'es mort. Ça sent le... Ouais, ça sent le secret. Avec un peu de chance, je vais me taper un... Avec un peu de chance, je vais me taper une vie. Fais voir. Bon, pas une vie, mais il y a des trucs sympas quand même. Il faut que je me speed. Enfin, c'est ça le problème, t'as pas trop le temps de fouiller les endroits comme ça parce que t'as ton timer qui descend, quoi. Moi, cette musique me fait penser un peu à la musique de Resident Evil 2. Non mais... Petit cochon. Monte. Salut Beko. Salut Beko. Maintenant. Oh le con. Oh, je suis pas bien. C'est bon, maintenant. Ok. Je sais pas ce que c'est là, mais je vais attendre un petit peu. Je vais fouiller ça avant. Un vrai open world Pokémon avec les 8G. Je suis pas Pokémon. Encore une fois, hein, je le dis à chaque fois, mais moi, Pokémon, c'est Pokémon bleu et rouge, quoi. Je suis concentré les gars, je suis désolé. Hein. Concentration, je rate pas trop le chat. En tout cas, Beko, bienvenue sur le marathon le plus intrépide du retro gaming francophone, c'est beau. Salut Ursemos, comment vas-tu? Ça manque de télé 7 poche. C'est clair. Il où ce télé 7 poche ne parle plus de moi, c'est terminé quoi. J'étais la coqueluche de télé 7 poche pendant un temps et puis c'est fini quoi. Télé 7 moche m'a oublié. Ok, ça c'est bon. On a eu quelques objets, bon, j'ai pas eu de vie, ça me fait chier. Il me faut des vies. Mais bon, les ennemis lâchent des vies de temps en temps, donc voilà, faut espérer. Faut espérer une vie lâchée. Ouais, moi ça va nickel, comme d'hab. Je vais rester sur ça, si jamais j'ai un souci. C'est quand même la solution à tous mes problèmes, ce truc. Enfin, une commande Discord pour faire venir les gens. Ouais carrément. Ben on fera, je ferai ça plus tard, vous inquiétez pas. Renvoie-leur un chèque comme la première fois. Oui c'est vrai. C'est vrai, mais ça va me coûter cher tout ça. Ça va finir par me coûter extrêmement cher la publicité Télé 7 poche. Ah j'aurais presque envie de sauter là-dedans, mais non, ça sent la vie perdue. Ça sent la vie perdue gratuitement. Ok. Discord. C'est interdit de faire ça, non? Yo Alex, comment vas-tu? Oh, il est mort. Il est mort. Oh, joli. Voilà. C'est là hein, où je me suis fait poutrer encore. Les deux sont morts. Oh, il a carrément disparu. Je vais vraiment y aller à tâtons là. Je vais vraiment y aller à tâtons cette fois-ci. On va pas trop faire le golemon. Voilà, ça par exemple, c'est même pas la peine. T'as de quoi faire avec le catalogue PS1. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Bah là, écoute, on est au 66e jeu. En 3 mois, là, ça va faire 3 mois dans 2 jours. Dans 2 jours, ça fera 3 mois de stream. 3 mois de stream, écoute, ça se passe très bien. La confiance ne règne pas, sachez-le. Oh le con!
Ouais, ça avance bien le marathon. Je suis assez content de mes piètres performances. Putain, casse-toi, toi. Ah oui, non. Donne-moi une vie, fais quelque chose. Non. Tant pis. Oh, bien joué. T'es mort. Oui. Oui, ça y est, la skills revient doucement. Par petites touches. C'était un Saga Challenge, fini un jeu à l'époque en plus. Ah oui, complètement. Il y a des jeux qui sont juste horribles. Il y a des jeux, ça devrait être interdit. Hein. Ils devraient être... Ah, il décède. Yes. Yes, ma douce. FF7, non. Yo, Yannick, comment vas-tu? Non, Miguel Abruti. Miguel Abruti. Non, j'ai fait FF8, mais pas le 7 encore. Ah, quel dégoût! T'as les ennemis qui veulent pas looter des vies aussi, ça c'est chiant. Parce que les loot sur les ennemis, c'est aléatoire. Salut Whisket, bienvenue à toi. Oh le con! Mais arrête de te faire pourrir, putain! Défends-toi là, t'as une épée, voilà. Ce cri qui ressemblait à la voix de Patrick Timsit. Oh, toi tu vas prendre un ban. Coquin va. Ah, j'hallucine. J'hallucine, mais quel jeu. Quel jeu, bien les Whisket hein, en tout cas. Sur ce marathon complètement inutile, donc indispensable. Ne l'oubliez jamais. Les jeux PS1, si tu veux voir un génie les finir tous les uns après les autres, tu es sur la bonne chaîne Twitch. Oui, je dis Twitch. Ouais, je m'en fous. Ouais, j'ai pas d'honneur. Ouais, je suis mou de dire. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a des mani manana. Oh putain, le respect est mort. On a retrouvé son cadavre, il était en Marcel à Mykonos. Je me demande ce qu'il faisait là-bas, le mec. Enfin, le... Le respect. Doucement. Ah oui, je passe à travers le feu. Je suis passé à travers les feux. Putain, mais alors des fois il te fait des coups de fourbe. Le encours est pas à jour, non. Non, 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 non. Allez, t'es mort. Bisous. Bisous baveux. Avec que dalle. Impeccable. Il
Doucement, doucement, voilà. Je te vois venir la bestiole. C'est bien. Ouh, what? Ça n'existe pas FF7. Non, non, ça va finir sur une baston, ça. Ok, allez. Je vais pas faire le combat là parce que ça sert à rien, y a pas les objets, y a pas d'objets intéressants. Touche pas le stagiaire. Ah oui, non, les stages découvertes, non, 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 ça coûte cher au niveau des assurances. Déconnez pas. Non, là j'en viens. Là j'en viens. Ah oui, non, c'est par là. Allez, shoot, 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 shoot! Ouais. On est bon, là, il n'y a que dalle. L'autre, il est mort cramé. Donc, ça va bien. C'est un des derniers bons FF. Je suis pas d'accord, moi je trouve que le 12 est excellent. Mais bon, après, bon, ce n'est que mon avis. Le 7, 8, 9 sont sympas, après, faut pas déconner, quoi. Même le 10, c'est cool, hein, franchement. Non. Allez. Here comes a new challenger. Et merci Whisket pour le follow, des bisous. Tu contribues à rendre le monde meilleur. Et ça c'est beau. C'est bon, j'ai le pied qui est en train de cramer. Ah putain, il y a des objets là. Le 10, il est sympa, hein. Franchement, je vous le conseille. Hein. Au moins, testez-le. Franchement, ce serait dommage de ne pas le tester. Il arrivera avec le premier mug, mon deuxième mug. Pourquoi? T'as 40 000 points. Non, par contre, je vais trouver une utilité. Hein. Avant qu'il arrive. Il y a presque 20 000, ouais. Ah, le mug numéro... Oh putain, maintenant je parle de mugs, c'est pas ce que je veux dire. Les bigorneaux, je vais leur trouver une utilité, je mettrai des tones visuels. Comme je disais, là, quand vous avez genre 5000 points, vous pouvez me faire tomber des bigorneaux sur la gueule. Je vais essayer de faire ça, c'est une incrustation. Ça va être rigolo. Je vais me démerder à voir comment je peux faire ça. Kezaku. Il voulait quoi, Roro? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Lord. Demande-lui. Je regarde le chat vite fait. Non. J'ai pas dû faire gaffe. J'ai pas dû faire gaffe. Vaut mieux des bigorneaux que des moules pas fraîches. Mais tout à fait. Complètement. On est sur ces ambiances là. Oh, je l'aime pas. Oh, je l'aime pas. Putain, mais il tape fort, son enculé. Interdit de crever. Interdit de crever, quoi. Ce serait sympa de pouvoir choisir un objet emporté chez le double, genre 10 000 bigorneaux à la cafetière du double. Super. Salut Geoffroy. Touchez à ma cafetière, vous allez voir, on va rigoler. Faut, si tu veux te faire des amis, c'est... C'est la bonne méthode. Non, le feu! Le feu! J'ai perdu toute ma vie à cause du feu.
Ah bah ça l'a buté aussi. Parfait. Je prends pas de risque là, j'ai plus de vie. Putain, il lâche rien les enfants. Concentration extrême du double. Oh l'enfoiré, bien joué. Je suis dans la merde. Mais dans une merde noire, encore une fois. De la merde, ça. Ça, c'est bien. C'est bon, je suis revenu en arrière comme un gros golemon. Quoi. Quoi? Oh putain! Si, si, il y a une carte, je peux mettre la carte en fait, mais bon là. Fais chier. Tu sais quoi, je vais leur laisser aucune chance. Not a chance, not anymore. Il est dur. Ouais, mais là on arrive à la fin aussi. On est quasiment à la fin, donc forcément, ça commence à être tendu. Mais je n'abandonnerai jamais. Jamais. Oh non, jamais. Voilà, j'éclate tout. Je cherche pas à comprendre. La carte en incrustation. Voilà, c'est pas en incrustation, j'appuie sur un... je clique et voilà quoi. Bonne nuit Big Bess, des bisous. Merci d'être passé. Merci du soutien les copains. Le boss de fin, je te dis que ça. Bah écoute, on va voir. Ah, mais ça aussi c'est la baiserie internationale quoi. Voilà, là il m'a donné du soin. C'est pas énorme mais c'est pas mal. Ça va. Load gamer. Pas que je me presse non plus là. Cela, je me connais, je vais voir me speeder pour rattraper mon retard. Il n'y a pas de retard. On joue, point barre. À point ou saignant. Ou cramé. Complètement cramé, enfoiré, va. Ah, on puisse revoir sa gueule à l'autre à chaque fois, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah, je suis bien. Là, je suis saucé.
Mais va chier, putain, fuck you, quoi. Voilà. Il a abusé. Ouais, il est un peu chaud, mais non. En fait, il est jouable, mais là, je commence à me déconcentrer. Faut que je me reconcentre assez rapidement, ce serait intelligent. Dire que le 3 était annulé. Quel dommage! Quel dommage, sauf que le 2 de mémoire, c'est le pire que le 1. Le 2, c'est vraiment de la chiasse, quoi. Car il est moins ma diable, d'accord. Bon, j'ai bien fait de prendre Nadia, quoi. Je m'en sors bien, c'est ce que vous essayez de me dire. Voilà, il m'a rien. Ah, si, il m'a donné une potion dégueulasse. Et ok, Baboon, comment vas-tu? Je vais le laisser venir. Maintenant. Je suis dans le feu, putain, mais... Oh, mais qu'est-ce que c'est con. C'est con, normalement, tu te fais toucher par le feu, ça te repousse. Tu perds un peu de vie, ça te repousse. Là, non, pas le temps, on s'en fout, on reste dans le feu, on crame tranquillement. Mais choui, mais chouga, mais chougna, hilarant, quoi. Le tas tellement envie, c'est dégueu. La jouabilité, ouais, elle est chaude, ouais. Maniabilité est plus du cul. Surtout que là, voilà, je suis baisé parce qu'il y a une espèce d'autolock. Il y a une espèce d'autolock merdique que tu ne contrôles pas. Genre là, j'étais en plein combo, il a esquivé, du coup, mon personnage s'est retourné et a continué son combo dans le feu. Ce qui est complètement merdique. Alors, des fois, c'est rigolo, je veux bien. Mais. Je crois que plus j'essaye, moins j'y arrive. Donc, détendu, ça va le faire. Je vais garder les 6 pour un autre endroit. Là, je pense que les 6, ça sert à rien. Si je suis concentré comme au début, ça passe. Mais non, la pierre, elle passe à côté, tu prends quand même un cachou. Yo Kalagan, comment vas-tu? Aimes-tu Bubsy 3D? Ouais, bah tu le sais. Il était mignon Bubsy 3D quand on y pense. Dynamite. Je préfère une vie. Je vais prendre ce qu'on me donne. Allez, viens là. Ouais, moi ça va nickel, écoute. Ah, l'enculé, voilà, ce que j'aime pas, quoi. Eh oui, tu crames, ma douce, j'y peux rien, moi. J'y peux rien. Ah, putain, j'ai mal à l'œil. Ah, j'ai mal à l'œil. Faute, arbitre, j'ai pris un truc dans l'œil, on recommence tout. On reprend le marathon. De ta race. Très bien. J'aime quand tu meurs comme ça. Putain, ouais, j'ai un truc dans l'œil. Sarah, ça fait mal. Je sais pas ce que j'ai pris là, putain. Je vais être obligé d'arrêter. Hein. Ah, je suis obligé, j'ai mal. Ah, toutes les excuses sont bonnes. Meurs. Ah, par contre, j'ai vraiment pris un truc dans l'œil, bizarrement. Faut refaire tous les jeux. Ouh, va te rincer l'œil. T'as des bons sites pour ça ou comment ça se passe? Non, mais ça va. J'ai l'œil qui est en train de se rincer tout seul. L'œil se rince tranquillou, donc on va bien voir.
Alors. Ouais, ça c'est bon. C'est très bon. Coup double. Allez, viens. Recule. Impec. Putain, mais ça coule, c'est chiant, casse-toi. Le double Snapchat est plutôt concluant, d'accord. Ah oui, pour se rincer l'œil, d'accord. J'étais plus du tout. Je n'y étais plus du tout. Ah, mais il y a de la vie, ouais, y a pas mal de vie. J'ai bien fait. J'ai bien fait. Putain, une vie, mais il me faudrait une vraie vie. Pas de la vie, une vie. Putain de flamme! Putain, mais je sais pas ce que j'ai dans l'œil, mais c'est horrible. Ça pique! Ça pique! Ouais, tant pis, je débute comme ça, comme un con. Et je bois mon café en même temps. Ouais, je suis énervé. Ah putain, il donne que dalle le con. On va le laisser cramer. Ah putain, il crame pas le con. Petit con, va. Carré sur 20, bah ouais, de toute façon là, je martèle. Je martèle le carré, donc ouais, on est sur du carré sur 20, complètement. Allez, un petit passage secret avec une vie, s'il vous plaît, quoi. Merde, j'ai pas eu le temps. Je regardais les objets. Allez, bim. Enfoiré. Truc qui fait jamais, quoi. Qui coupe. Dreadoom sur 20. Pourquoi Dreadoom sur 20, le pauvre? Voilà, putain, ce combo il est pété. Ce combo il est pété. Ça on peut pas. Excusez-moi, faire des combos, donc un conseil, apprends-les avant. Oh mais c'est bon, je connais le combo fatal. J'ai déjà en tête le combo Fatalis. Donne-moi une vie, putain, une vie. Foiré, va. Putain!
Eh oui, ça me fait pas marrer moi tout ça. Ça me fait pas marrer. Pas dans le feu. J'ai encore moins de vie que tout à l'heure. Encore moins de vie que tout à l'heure. Je suis bien revenu en arrière là, on est d'accord. Moi, il y a des ennemis en plus qui sont apparus. Ou alors c'est un effet d'optique. Le Dead Space Effect, ouais, j'y crois moi. Ouais, je prends zéro risque que je bute tout le monde comme ça. Normalement ils repopent pas les ennemis, ouais. Mais là ils repopent. Allez, donne-moi des objets, putain. Sac à foutre. Eh, sac à foutre. Qu'est-ce qu'on a comme objet? Qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Allez, tue-le. Tue-le. Il mérite pas de vivre. Ah, y'a un truc. Une vie, les gars, une vie. Je demande pas grand chose, je demande juste une vie. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Pas lui. Pas lui, j'ai dit. Casse-toi. Foiré, bien vu, bien joué. Bien joué le jeu. Bien joué le jeu, tu m'as baisé. Rien à dire. Coupe de vœux, je suis à la con. Ok, donc là quand j'arrive, faut que je parte à droite et pas à gauche. Quoi. Ah, je n'ai qu'une seule vie, oui. Mais l'autre qui va il va me réduire en miettes avec une demi-main quoi. Casse-toi quoi. Sac à merde. C'est chaud. Ah moi je dis chocolatine, ouais complètement. Je dis chocolatine. Pas en chocolat, c'est un pain avec du chocolat dedans. Je n'ai qu'une seule vie, ouais, il faut que quelqu'un m'aide. Mais non, j'ai pas envie d'utiliser le cheat code. Je sais que je peux finir le jeu sans cheat. J'en suis sûr. Je suis quasiment sûr de pouvoir finir le jeu sans cheat code. Et l'autre qui me rogne toute ma vie alors qu'à la base c'est une merdasse. C'est juste un sac à PV. Ah ça va, il me rend de la vie quand même. Oh putain de jeu à la con!
casse les couilles ces flammes. Bon, évidemment, c'est fait pour. Chaque fois que quelqu'un prend une chocolatine, un chaton meurt. Oh, mais un pas de côté, ça suffit. Pourquoi je fais pas le pas de côté à chaque fois? Vouilleur de loin sur un seul mot. C'est devenu la chaîne la plus détestée du rétro gaming francophone. Juste pour le mot chocolatine. Ouais, c'est mérité. C'est mérité. Croissantine. Mais non, parce que croissantine, il n'y a pas de chocolat dedans, quoi. Croissant. Croissant, c'est un croissant. T'as pas de chocolat dans le croissant. Une chocolatine, c'est une pâtisserie au chocolat. Un pain au chocolat, c'est un pain avec du chocolat dedans. Et même des fois, en plus, c'est même pas un pain entier, quoi. Je vous emmerde tous, de toute façon. De manière générale, je vous emmerde. Et si... Ah ! Faut que je prépare le double flingue ici. Faut que j'optimise, de toute façon, tous mes points de vie, faut que je les optimise. Donc, quand j'arrive ici, il faut que je prépare le double flingue. Comme ça, paf, je les tue d'un coup, non, je m'emmerde pas. Combat épique, ouais. Voilà, j'ai juste à faire un pas de côté et ensuite je l'explose, voilà. C'est bon, eux, c'est bon. Eux, j'ai la technique à la con, technique quasiment imparable, pour les buter. Allez, c'est bon, on le torche le niveau. Y'en a marre. Ok. N'oublions pas les pas de côté. Parce que là, se protéger c'est de la merde. Et contre le feu, à mon avis, ça marche pas. Donc, ça, je vais me le prendre à chaque fois. Hein. Évidemment. Oh oui! Le truc, il ne me fait jamais, mais là, c'est cadeau. Je sens le tournevis. J'ai dit ça, moi, je sens le tournevis. Et l'autre du Nord, d'accord. Bonne nuit, monsieur Guillaume Daniel. Merci beaucoup d'être passé. Des bisous et à demain. Ah, voilà. Là, ah non, il est pas mort. Mais le jeu est facile. Non, mais le jeu est pas difficile en fait, c'est que je mongolise quoi. Je mongolise, comment dirais-je? Je mongolise la maniabilité. Après, une fois que t'as la maniabilité en main, une fois que t'as accompli 3-4 conneries de foutage de... où ils se foutent de ta gueule, oh, bah,
T'as moyen de faire de belles choses. Là, je pense que je peux faire de belles choses maintenant. Ce niveau m'appartient. Ainsi que les suivants. Mais je pense qu'il n'y a plus beaucoup. Enfin, j'espère qu'il n'y a plus trop de niveaux là parce que c'est. On est critique là. Là, on est plutôt critique. On est plutôt critique. Coléo. Putain, ça me rappelle. Coléo, ça me rappelle. Un mec sur Dailymotion que je kiffais. Quoi. C'était quoi un jeu limpide, un stream. Non. Un test rapide pour un jeu limpide, un truc comme ça, c'était génial. Coléo, si c'est toi, des bisous. Si c'est pas toi, des bisous aussi également. Salut Tom Zloding, comment vas-tu? Allez, je prépare ça. Oui, j'attends. Miaou. Voilà. J'ai optimisé ma vie, j'ai optimisé mes soins. Lui, c'est vraiment une merde. Oh, lui, c'est une bousasse. Le débat, non, franchement, un débat sur ce genre de conneries. C'est chocolatine et puis c'est tout, y a pas à débattre. J'y vais cramer et rager. Espérons que non. Espérons que non. En tout cas, là, j'ai géré. Là, tout ce passage, j'ai géré d'une main de maître. Allez, viens là. Histoire du jeu, il faut buter un sorcier avant que ce soit vraiment la merde. Même si pour moi, c'est déjà vraiment la merde. J'aurais dû fermer ma gueule, pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait, Ersemos? Oui! Ouais, l'histoire, Totor, il me l'a mis hier, ouais. Bon, c'est pas une histoire de folie, mais ça passe. C'est intéressant. Allez, viens là, ma douce. Oui! On peut les mongoliser comme ça, impeccable. C'est la danse. C'est le cirque du soleil. C'est le cirque du soleil qui vient pourchasser et assassiner tous les gens qui n'ont pas payé. C'est le cirque du soleil contre les impayés. Je ne crois pas, mais dans le doute, prenons-les. Mais saqué ce jeu. Il était trop malsain. Ouais, non, mais c'est. Ils n'avaient pas joué à Silent Hill ou quoi? Ils avaient... Oui. Allez, viens là. Oh, one shot! Silent Hill n'est pas encore sorti. Ouais, mais justement, j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont pensé de Silent Hill, ces mecs-là. Soi-disant hostile à la sortie d'un jeu comme celui-ci. Les sauts de la foi. Là, on est vraiment sur des sauts de la foi, hein, je vous le dis. Thank you.
Voilà. Putain, ça marche bien cette connerie. Ça marche bien. Bon, j'arrive là le plein de vie. Je recule. Ok, suivant. Ah putain, il va y en avoir deux. Vite. Oh, ça l'a pas eu. Pas grave, tiens. Je prends quand même. Yo Badès, comment vas-tu? Donc à droite, j'ai dit. Rond appuyé avec haut et bas, tu es un mouvement moins brusque. Pour une aide, ça vient d'un notice. Ah putain, tu peux marcher. Ça n'a aucun sens. Oh oui. Putain, tout à l'heure, je suis mort à la fin du niveau. Oh le GG! Le GG, comment va Valesse? Comment va Valesse? Je suis mort à la fin du niveau tout à l'heure quoi. Oh c'est le boss de fin! Ça m'étonnerait. Ok, j'ai compris. C'est quoi ce boss de merde? Les boss puzzle, quoi. Enfin, remarque, les boss puzzle, c'est rigolo. Bon, ça va, en fait, j'ai compris. Il faut enchaîner les deux, là, jusqu'à ce que ils soient empalés ou je ne sais quoi. Oh le con, t'as rien à foutre là, Zombix. Zombix. Ah, oh, je suis chaud comme du chocolat tiède. Jeanne d'Arc sur 20. Ah, oh, on n'est pas loin de ça, on est pas loin de, d'un petit Jeanne d'Arc sur 20. Je me fais troller. C'est l'avant-dernier boss, puis ouais, donc ouais, on est pas loin de la fin quoi. On a quoi? On va avoir 2-3 niveaux à faire avant la fin, je sais pas. Ou 5 peut-être, max. Maximum 5 levels avant la fin. C'est le niveau 17. Ah ouais, donc il reste 3 niveaux quoi. Mais est-ce que ça compte comme des niveaux aussi? On va voir. On va voir. Ah ouais, faut que je fasse, faut que j'aille super vite. Salut Kiriyama, bienvenue. Merde, j'ai pas eu. M'emmerde, tiens. Mais non, mais reprendre la vie, mais qu'il est con. Ah putain. Ah, je suis chaud. Le truc, c'est que j'ai pas envie de faire attention, j'ai envie de me speeder. J'ai l'impression que, voilà, en même temps, plus tu te speed, mieux c'est. Mais, attends, on va être malin. On va être malin. D'accord, l'explosif, ça lui fait rien.
Ouais, ils vont empaler le boss. Oui, c'est ça, ils font empaler le boss, quoi. Il va empaler, il faut empaler le boss. Par contre, putain, mais je me rappelle pas qu'ils étaient aussi violents, ces cons de petits zombies, là. C'est un zombie spécial le double? Comment ça se passe? On en est où, là? Au niveau du foutage de gueule. Casse-toi! Casse-toi! Vite! 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 Congratulations! Yo Lord, comment on va? He's dead, but Crowley has again evaded you. Il s'est barré, le fourbe. Oh oui, commence un niveau toi aussi, en te prenant des coups dans la tronche. J'adore ces niveaux, tu sais, où t'es déjà attendu. Ah, il me faudrait une nouvelle arme, je pense. Ta race. Ok. Le petit headshot des familles. Pas trop la forme, ouais. Ouais. Le bon timing du double. Je vais tenter un truc. Comme ça, je vais fouiller un peu le niveau. Comme ça, ça va très bien se passer. Ouais, trop de flammes. Ah, j'ai pas eu le temps de cliquer, la con de moi. Je vais faire ça. Je vais tracer, comme ça tous les ennemis vont me suivre, et je vais faire une mitraille autour. Et je vais voir s'il n'y a pas moyen de glaner une vie ou deux comme ça. On y croit, on y croit. On y croit. De toute façon, j'ai pas trop de choix là. Faut que j'arrive à glaner des vies sur les cadavres. Tout simplement. Donc, on va tenter, on va tenter. C'est bon. J'ai trop d'objets aussi, c'est la merde. Voilà. Là, si t'as le bon timing, eux, tu les flingues assez rapidement. Y'a quoi? Que dalle. Les flammes sont merveilleuses. Hein. Merveilleux sur 20. On va faire comme j'ai dit. Voilà, venez. Venez, venez, venez. C'est parti! Qu'est-ce qu'il lâche lui? De la merde. De la merde. On va pas dans les flammes. Mais lâche une vie, lâche une vie. Lâchez une vie. Bon, on va se balader. Ce combo il est pété. Ça me permet de pas trop avancer. Tu fais suffisamment du surplace pour pas prendre de risques.
inutiles. Sauf là, évidemment. Pas lâcher des vies. Oh, tu sors d'où, toi? Quoi, j'ai plus de... Oh, putain, fais chier. Ouais, non, tant pis, je prends pas de risque. Ouais, ils pourraient m'offrir des trucs quand même. Ils sont radins, ils sont radins. C'est, normalement, c'est censé être en facile. Oh, je vais me faire pourrir par une merde. Je me suis fait pourrir par une merde. D'où les sorties. Bon. Je vais mapper un peu le niveau. Je vais regarder un truc. Je vais rusher. Je vais rusher, voir. Voilà, toi tu meurs. Toi, je te prends. Voilà. Et je vais rusher le niveau. Mais non, mais pourquoi? Caméra de merde. Fleck et schneck. Mais putain, mais il va directement... Voilà, mais c'est ça qui est chiant. Ils vont sur... Je t'ai pas demandé d'aller sur l'ennemi, mon golo. Je t'ai pas demandé d'aller sur l'ennemi. Les esquives, c'est pas la peine. Déjà, les esquives, on oublie... Parce que les esquives, ça te fait des esquives autour de l'ennemi le plus proche. Ce qui est complètement con. Je veux juste mapper le niveau vite fait. Je veux voir à quoi ressemble le niveau. Essayer d'avancer un max vite fait. Avant de me concentrer sur les combats merdiques. Donc si tu pouvais arrêter de me casser les couilles le jeu. Ha ha ha. Je ris, mais c'est les nerfs. Ça explose tout seul. Non, non, ça explose pas tout seul. T'as les... C'est à côté des flammes, donc forcément ça pète au bout d'un moment. Salut Scalinor, comment vas-tu? Putain, je suis revenu là. Casse-toi, putain, mais c'est incroyable. Se fout de ma gueule. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Ah oh bah vas-y hein, technique de merde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pousse-toi. Oh putain. Est-ce que ça va marcher à chaque fois? On va rusher, hein, ça a l'air de marcher. Ça a l'air assez utile. 2% de monstres. Oui, j'ai tué un mec, j'ai pas fait exprès. J'aurais dû tenter le 0%. J'aurais dû tenter le 0%. Plus ce niveau, il a l'air complètement merdique. Je pense qu'il vaut mieux le rusher, quoi. Je sais pas, je le sens bien.
Se fout devant, Golemon. C'est l'avant-dernier level. Oh, je me suis fait poutrer. C'est l'avant-dernier level. Ah, peut-être que j'essaie de choper des vies quand même pour le boss de fin. Sinon, je vais en chier. Parce que faire un perfect sur un boss, je suis pas sûr que ça marche. Je doute. Premier ennemi, je peux le buter. Premier ennemi, c'est pareil, il suffit d'attaquer au bon moment, tu le touches direct. Là, comme ça. Voilà. Le doute. Mais va chier. Voilà. Ah oui, un flingue. Y a rien. On sait jamais. On sait jamais. Oh, bien joué. Ok. Ah oui! Bien! Pas dans le feu! Elle est sexuellement attirée par le feu, c'est n'importe quoi! Personne n'est sexuellement attiré par le feu! C'est une perte de temps, tout le monde sait ça! Là, tu sais, le truc est en train de cramer, il va me lâcher une vie. Si, si, y en a qui sont sexuellement attirés par le feu. Par exemple, le vert dans les Simpsons. Va chier! Va dans le feu, mais va dans le feu, éclate-toi! T'as vraiment que ça à foutre, de toute façon. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, faut qu'il me lâche, quoi. Dire qu'il a oublié un item, c'est proscrit. Oui, c'est proscrit, évidemment. Et c'est évidemment proscrit. C'est à moi de pas être mongolo et de regarder, quoi. Sexuellement attiré partout. Oh, laisse-moi me... Je vais y arriver. Ah, mais putain, mongolise de main. Ok. Ok, ok, ok. Donc que je peux les péter. Ça donne rien. Quoi, je l'ai pas récupéré l'objet? Oh, Golemon. Hmm.
encore fait toucher par le feu, bordel. Putain! Oh, ça me fait rager là, ça y est. Oh, ça y est, ça me fait rager quoi. C'est parti. Remarque, je peux péter tous les objets vu que le boss, je pourrais pas utiliser d'objets. Apparemment, c'est combo. Est-ce qu'il est une aide en soi, mais bon. C'est pas bien grave. Ouais, c'est bon. On recommence. Salut Amiot, comment vas-tu? Comment vas-tu? Login. Il me faut de la vie. En fait, il faut vraiment que je tombe sur un bon moment de loot et que je récupère une vie ou deux. De moi complètement quoi. Ce sont des arômes très salés que l'on me propose là. Allez, bon. Voilà. Et du sel sur le feu. Tant que c'est pas de l'huile. Non, j'ai fait un petit esquive à la con. Voilà, esquive. Non. Ah merde, je me gourde de touche. Voilà. Il y a un truc là, non? D'accord qu'il y a que dalle là. Hein. Là j'ai oublié zéro objet. L'enculé! On va rusher, hein, tant pis. On va rusher. On va rusher. Ouais. Ils ont dit que ce serait amusant. Oh merde. Oh,
mercredi, je suis dans la merde, ma dose de calcium. Ma dose de calcium, bordel. Ouais, non, faut que je fasse super attention, je peux pas rusher, là. Je peux pas vraiment rusher, en fait, quoi. Donc, on va... Ben voilà, je vais faire super gaffe. J'essaie d'avancer vraiment doucement, à tâtons. Avec beaucoup de maîtrise, beaucoup d'envie. Ok. Ok, impeccable. Ah, il m'a pas donné de vie cette fois-ci. Le chacal. Non, j'ai réussi mon... J'avais réussi mon esquive, espèce d'enfoiré de merde. Okay.